Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis toujours sur la finition de mon diamond painting, la maison et la rivière. Ça y est, j'arrive vraiment à la fin maintenant. Donc là, il me reste à faire une fois sans la caméra et une fois... Oh là, j'ai une tête. Et une fois, vous aurez le final en caméra, avec la caméra. Et il sera terminé. Voilà. Super. Youpi. Voilà mon très grand kit qui sera enfin fini. Donc, je pense que là, on est quoi ? On est jeudi. Bon, ouais, dans une semaine, il sera terminé, je pense. Peut-être avant. Je vais faire pour. Donc, j'ai pas de problème. Hein, vous le savez, j'ai pas de souci avec. Là, je suis dans la partie où il y a beaucoup de noir. Mais bon, ça va. Avec, de toute façon, avec ma tablette et un bon éclairage, j'ai aucun problème. Voilà. Oui, je me suis mis un petit châle pour être dans mon atelier. Bon, enfin, il fait un peu moins froid aujourd'hui, ça va. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'en profite pour vous montrer. Alors, j'ai reçu ça hier de chez Amazon. Oui, je commande encore chez Amazon quand même, hein, malgré que j'ai un problème avec eux. Alors, mon problème est, pour ainsi dire, réglé. Il a fallu que je les menace. Voilà. Il a fallu que je les menace. Alors, il y a trois mots qui a dû leur faire peur. Donc, ils m'avaient demandé dans un précédent mail de patienter encore 2 jours. En me disant que mon colis était en expédition. Hein ? D'accord. Bon, j'ai attendu 2 jours. Donc, le deuxième jour, c'était aujourd'hui. Donc, ce matin, par mon plus beau clavier, je leur ai envoyé un dernier mail pour ce colis. Et qui coûtait quand même plusieurs centaines d'euros. Voilà. Bon, je ne dirais pas le montant, mais il était quand même... plusieurs centaines d'euros, voilà. Et donc là, il y a trois mots dans l'email qui ont dû leur faire peur. Plainte, dépôt de plainte, procureur de la République et mise en demeure. Et ces trois mots, je les ai mis en gras dans mon email. Que si en leur disant qu'ils avaient 72 heures, pas une heure de plus, pour me rembourser de cette commande. Parce que là, bon, j'avais de la patience. Hein, depuis le 11 novembre, je crois que j'ai assez bien patienté. Donc là, une demi-heure après, j'ai eu ma réponse. Là, ça n'a pas... j'ai pas dû attendre. Une demi-heure après, j'ai eu ma réponse. Avec les excuses, bien sûr. Comme quoi, j'allais alors soit recevoir un virement ou un chèque. Bon, donc on verra bien. Dans la semaine. Voilà. Donc, on va encore attendre. Hein. Mais normalement, c'est bon. Le remboursement est en cours. Donc, bon, il marquait encore quand même en dessous que si je voulais, je pouvais quand même demander qu'il me renvoie l'article. Mais non, l'article, j'attends le remboursement et puis je vais aller l'acheter ailleurs. Hein. Parce que, bon, une fois, ça marche. Deux fois, non. Et justement... C'est hier, j'ai reçu des petits colis de chez Amazon
des bouquins pour mon mari et puis ça pour moi. Et j'ai... Parce que souvent, les livreurs, ils se dépêchent. Hein, ils vous donnent le truc, ils se battent. Et là, je l'ai chopé. Et je lui ai expliqué mon problème. Et je lui ai dit, donc... que Amazon, au début, m'avait dit que c'était un livreur qui avait dû voler mon colis. Donc, je lui ai dit le montant du colis. Hein, je lui ai dit ce que c'était... Et donc, il m'a dit, ben, de toute façon, il dit, ce ne sera pas la société de livraison qui va pouvoir vous faire quelque chose, c'est Amazon. Je dis, ouais, je sais, mais je voulais savoir comment ça se passait. Quand c'est... Et donc, il m'a dit, de toute façon, une fois qu'eux, ils vont vous rembourser, ils vont faire leur enquête et ils vont rechercher qui était le livreur pour mon colis. Et si vraiment, ils retrouvent... le livreur et quoi, ben, il va se faire licencier s'il retrouve que le colis était chez lui. Voilà. Donc, eux déposeront une plainte. Quand c'est comme ça, ils déposent une plainte. Et la société de livraison ben, fait son enquête également. Parce qu'arrivé à un certain montant, ils appellent ça les colis golden. Parce que c'est des colis qui coûtent, ben, je vous dis, plusieurs centaines d'euros. Et arrivé à un certain montant, bah là, y a, eux déposent plainte aussi et font pour également pour retrouver le colis ou se faire indemniser également. Voilà. Donc, il m'a dit de toute façon, bon, s'il retrouve quel livreur c'était ce jour-là, bah, voilà. Si c'est vraiment un livreur qui a volé le colis, bon, ben. Bah, il peut dire adieu à son emploi, mais bon, ça je moins. Tant pis pour lui, hein. Moi, je voulais mon colis. Voilà. Donc là, j'avais reçu des bouquins donc pour mon mari et j'ai pris ça. Voilà. C'est quoi ça? Alors, j'ai trouvé un lot de sachets. Voilà, c'est des petits sachets. Pour mettre les perles parce que j'en ai plus et puis je trouvais toujours des petits lots. Alors ça me revenait cher et donc voilà les sachets. Donc c'est les sachets qui font 8 sur 6 cm avec un zip. Et donc, il y a 10 paquets comme ça. Et dans chaque paquet, il y a 100 sachets. Donc, en tout, j'ai 1000 sachets. Donc, j'ai de quoi faire. Mais au moins, je suis tranquille là parce que... Ben, de toute façon, ça va vite, hein, les sachets. Pour mettre le reste des perles. Là, j'en avais plus du tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Là, ce que j'ai pas payé tellement cher... c'était 12,90 € pour les 1000 sachets. Donc, j'ai pas trouvé ça très cher. Puis, de toute façon, je les ai commandés hier. Je les ai commandés avant-hier, je les ai eu hier. Donc, voilà. Voilà mes petits blabla du jour. Je vous laisse maintenant visionner ma vidéo. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que bah, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je sais pas. Vous êtes avare en ce moment, où il n'y a pas trop de monde sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous boudez, peut-être. Vous me boudez? Vous voulez plus me voir? Allez, bon, allez, je vous laisse visionner et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bon visionnage. Bisous, bisous. Thank you.
Thank you.